Le travail qui est présenté ce soir, c'est un travail de collaboration entre mon propre travail déjà qui est sculpture sur bois et le travail de Kader Keïta et Charlène Loiret qui font de la teinture traditionnelle malienne. Voilà, on combine les deux travaux. Kader, j'ai rencontré par exemple avec qui je travaille, c'est vraiment un travail qu'on voulait faire ensemble depuis quelque temps et on a travaillé ensemble à Bamako parce que j'y vais quand même, on peut dire, quasiment chaque année. Et là, il est venu il y a 2 ans l'idée de travailler ensemble avec justement les deux techniques. Et du coup, on a fait une exposition l'année dernière, enfin 2015. À Bamako. Et le projet, c'était quand même qu'un collègue malien puisse venir à Angers pour faire les mêmes travaux. Quoi. Pai Pai, ça permet quand même de pouvoir avoir des visibilités pour un artiste qui n'est pas forcément reconnu, avec une notoriété qui est pas extraordinaire, mais que malgré le talent, hein, bon, du talent dans les gens qui passent à Pai Pai. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative entre une salle d'expo qui n'est pas facile d'accès pour n'importe quel artiste, et c'est mieux qu'exposer dans un bar, par exemple, où c'est un peu dénaturé. Du coup, là, c'est dans une maison, c'est chaleureux, c'est accueillant, il y a une dynamique associative, il y a des collègues, la famille, les copains, les voisins, et du coup, ça, c'est comme une vitrine qui est quand même assez cool, quoi.